Jusqu'au 31 décembre, renouvelez votre abonnement de boîte postale et bénéficiez aussi d'une exonération de pénalité en cas d'impayé. Le réabonnement et autres paiements peuvent se faire dans toutes les agences postales. Rendez-vous donc à l'agence postale la plus proche ou appelez le 25 20 00 68 44. La Poste de Côte d'Ivoire, ensemble, construisons la confiance. Juste aller faire une séance de nage à la piscine. Et je peux savoir où ? Je veux que tu arrêtes les escroqueries sur le net, là. Regarde-moi quand je te parle, s'il te plaît. C'est ton nouveau jeu. C'est très intéressant. Je trouve ça excitant. C'est ton voleur de Giro ? Oui, exactement. Ça va me coûter combien, en fait ? Maman, c'est qui le tonton, là ? C'est personne, chérie. Traduction ? Traduction ? Sors de chez moi. Parce que s'il devait arriver malheur, tu sais que j'en mourrais. Et vous ? Qui êtes-vous ? Charlène ? Chérie. Tu connais le monsieur ? Non, il demandait juste des informations sur le restaurant. Putain ! Tu nous prends pour des flics qui sifflent le roi roi ? Tu vois, ce ne sont pas des policiers ces gars-là. C'est des chiens errants à la recherche d'os. Mais moi aussi, je prie pour la mort de cet abruti, Géro. Au pot ! L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Il me suffit d'être chez moi, d'avoir une dizaine de téléphones portables, une mini-chaîne et un bon ordinateur portable. Et avec ça, je deviens roi du monde. Au fait, je suis... Appelez-moi Géron. Blanco, tu me permets que je... Juste un peu, je vais lui... Refais juste la... Naja, s'il te plaît. Tout doux, Naja, tout doux. Naja, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, Naja, hein. Naja. Vous voyez, Naja, il est trop nerveux. Mon collègue, il est trop nerveux, c'est comme ça. Il est tellement nerveux que je comprends rien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'est donné rendez-vous dans 2 mois. Naja, le petit dit dans 2 mois. Tu sais, mon collègue, il est comme les politiciens. Il ne tient pas parole. Ce que je dis, c'est ce que je ne fais pas. Godfrey, pardon. On n'a plus d'argent. Et pitié, pardon. Pardon ? Et la pitié ? Ok, cette fois... Vous avez gagné. Je ne vais pas vous racketter comme un petit pickpocket de bus, mais on va faire comme à l'église, comme une quête. Chacun met ce qu'il peut mettre. Oh, je me sens pas bien. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Ayez pitié de moi et mettez quelque chose dans la quête. Quelque chose pour les anges que Dieu t'envoie. Cette fois, le compte est bon. Hein? Ha 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 ha.
Hasta la vista. Comment vous voulez que je vienne ici rencontrer les deux meilleurs brouteurs de l'Afrique subsaharienne et partir bredouille? Jamais ça, hein? Hasta la vista. Qui est mort ici pour que vous soyez assis comme dans des funérailles, là? Qu'est-ce que ça? Kamso, comment tu vas? Ça va, mon frère. Je viens à peine de te demander, là. Ah ouais? Ben, j'étais allé faire une course, là. Ah, d'accord. Mais attends, pourquoi cette tête d'enterrement? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, les deux chiens errants sont passés par ici. Quoi? Attends, ce bouffeur de Kiongon et son acolyte chauve là, ils sont encore venus ici. Mais quand est-ce qu'ils vont nous foutre la paix, ces deux-là? Ça, c'est Dieu seul qui peut nous le dire. Et je t'ai pas dit la meilleure, Giro. Tu te rappelles la dangereuse go que j'ai gérée dans le bar la dernière fois? La prostituée de luxe? Touché. Figure-toi que cette jeune et ravissante dame est mariée. Non, c'est pas vrai. Une femme mariée qui se prostitue? Attends, mais ça sort d'où ça? Là, t'as encore rien vu à bien ici, apparemment. La meuf, dans la journée, vit normalement, comme toutes les autres femmes au foyer. Et la nuit, elle se vend à prix d'or. Attends, tu me fais croire que la go qu'on a vue, là, elle est mariée et puis elle se tourne la nuit. Aïe, je te parle d'un truc. Dans la nuit, elle se prostitue. Dans la journée, c'est une femme normale au foyer. Elle est là, elle se promène comme tout le monde. Et attention, un monsieur respectable. Je me demande bien ce qu'elle dit à ce dernier quand elle sort la nuit. Ben, il se passe des choses à Abidjan, hein. Le bœuf, enfin. Hello, chérie. Je suis content d'entendre. Enfin ta voix, chérie. Comment ça va, Zurich? Il fait beau là-bas? Oui, chou. Mais il fait un peu froid ici. Et toi, tu vas bien là-bas? Tu as repris le boulot? Non, chérie, je n'ai pas encore repris. Toujours en congé. Je reprends dans 10 jours. Dommage. Et moi qui comptais t'inviter chez moi en Afrique pour passer avec toi des moments merveilleux. Que j'aimerais être vivement avec toi, mon amour. Mais tu ne m'avais pas dit que tu allais en voyage? Si, je viens de recevoir la nouvelle. Quelle nouvelle, ma chérie? L'avocat de mon père m'a convoqué d'urgence. Il s'agit d'une affaire de famille. Non, 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 permets-moi de ne pas en dire plus. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais ça ira. Je dois même y retrouver mon petit frère. Et puis ça fait longtemps, tu sais. Et tu comptes t'y rendre quand, mon amour? Ok, j'espère que tout va bien se passer. Chérie, n'oublie pas, tu as mon soutien et tu peux compter sur moi. Merci chérie, tu es un amour. Dès que j'arrive, je t'appelle. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Partout, partout, partout. Tu es adorable. Oh, mais les gars, faites-moi la passe. Donnez-moi votre client, je lui fais payer 30 000 euros en un mois. Et après, je fais votre gain ou bien? Regarde-moi lui là, qu'est-ce qu'il raconte là? Attends, pourquoi toi, tu vas nous faire un gain sur notre propre client qu'on démarche depuis 6 mois? Attends, qu'est-ce que tu crois? C'est ça les affaires? Non, 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 nous-mêmes, nous allons terminer le travail que nous avons commencé. Voilà. On va le saigner jusqu'à le ruiner. J'imagine. On va le vider petit à petit de son sang, tu vois. Le bœuf là, on va faire son choukouya, non? Non, 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 non. Chez les blancs, on appelle ça barbecue. Alors les gars, apprêtez-vous à faire de votre le bœuf un barbecue. Géant. La braise que t'as chez le bœuf. C'est pas possible. Ma princesse, yeah. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va. Alors, ma belle. Comment tu vas? Ça va très bien. D'accord. Je te présente mon vieux pote, Boya. Bah, si c'est ton ami, donc je lui fais la bise. Comment vous allez, Boya? Ça va, ça va. Enchantée de faire votre connaissance. Bah, pareil pour moi. Tu t'installes? Non, chérie, je vais rentrer. Je suis un peu fatiguée. D'accord. Ok, à tout à l'heure. À tout de suite. C'est mignon.
Bon, ok, les gars, moi je vais chercher à rentrer. D'accord. Ouais. Moi aussi, je vais faire de même parce que là, il faut que je rentre pour digérer l'histoire de madame de luxe. C'est une histoire de prostituée, là. Je vous accompagne. Mais attendez, les gars. Et si on faisait le show ce soir? Bon, en tout cas, moi, je suis partant de 100%. Je ne sais pas pour Géraud. Non, écoutez, à deux contre un, qu'est-ce que je peux faire? Attendez, là. On chauffe. Ouais. Monsieur Boyard, vous. Bonjour Géraud. Émeraude vient juste de sortir. Si, si, je sais. Mais c'est pour toi que je suis là. Ah bon? Mm-hmm. Tu es la plus belle, la plus sexy, Kadi. Arrête. Je dis d'arrêter, oh. Y'a quoi? Y'a pas le feu, non? Hein? Sois cool. Tu sais, j'ai une nièce à qui je veux faire une surprise. Elle a la même forme et la même taille que toi. J'aimerais donc que tu m'aides à lui choisir une tenue. Et quel genre de tenue? On va dire une tenue assez sexy, qui la mette bien en valeur, tu vois, non? Il y a cette tenue-là, rose, là. Elle n'est pas du tout mal. Voilà, ça, ça te va? Non. Celle-là, c'est... Bon, celle-là. Voilà. Très classique, jolie. Ça fait bien habiller. Elle me plaît. Mais tu peux me l'essayer, s'il te plaît? Ouais. Histoire de voir, vu que vous avez la même forme. Ok, y a pas de souci. Merci. Mais que fais-tu? Juste pour voir comment ça se porte. Ferme ce rideau, s'il te plaît. Mais ferme ce rideau! Waouh! Comme c'est beau! Ça te va à merveille. On aurait dit un mannequin. Tu sais, je peux t'offrir ton propre magasin si tu le veux. Avec une forme et une beauté pareille, on ne peut rien te refuser. Enfin, ça ne dépend que de toi. Et oui, il y a des jours où, en toute quiétude, je me la colle douce. Pendant que les deux femmes à qui je tiens le plus sont ailleurs. Dommage que ce ne soit pas le cas pour mon bras droit, Kamso.
Courage, mon frère. Cette châtelaine finira par céder sous notre pouvoir. Surtout que bientôt, on touchera le jackpot. Et pour cela, je dois mettre en place un plan parfait. Tenir une grande réunion pour la stratégie à appliquer. Feli, penses-tu que ces mèches, on peut les avoir à un prix plus... C'est le problème avec les mèches naturelles. Ça coûte tellement cher. Mais on n'a pas le choix si nous voulons rester toujours belles pour notre mec. Ma copine, ton Apollon a lui fait rire. Où? Juste derrière toi. Oh mon Dieu. Reste calme, sois naturelle. Les mèches naturelles... Alors, ça va les filles? Vous passez une bonne journée? Pas mal, mais avec toi, c'est sûr que ce serait mieux. Allez, ciao. Hé, hey, voisin, n'aurais-tu pas de bons films d'action chez toi? Oui, à vrai dire, mais là, je suis à la bourse, en train de sortir, tu vois, c'est un peu short. Si tu veux à mon retour, je te donne mon disque et puis ça va, tu vois, il y a plein de films dessus, tu pourras, enfin, vous pourrez vous amuser. D'accord? C'est bon, je peux y aller maintenant? Carmel, Kamso te demande s'il peut partir. Hubert, ton voisin. Si, si, c'est bon, Kamso, tu peux partir. Ok. À ce soir. Allez, à ce soir, les filles. Qui est là? C'est qui? Géro. Géro? Une minute. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va, ça va. C'est chaleureux chez toi. Merci. Prends place. Merci. Je te sers quelque chose à boire? Non. C'est plutôt toi qui m'intéresse. Je suis là. Elle est belle ta télé. Ah bon? Ah. Tu trouves? Ben, je vais t'en offrir une autre, beaucoup plus grande. Une à ta dimension. C'est gentil. Alors, tes activités, ça va? Ouais, ça peut aller. Ça peut aller? Tes activités dont tu ne veux pas m'en parler? Me dire la vérité? Tu sais, Jérôme, si tu tiens à moi, tu dois me dire la vérité. Tu dois me faire confiance et me dire tout sur toi. Tu sais, je ressens vraiment quelque chose pour toi. Mais comment tu veux que les choses évoluent si tu ne me dis rien? Vous voulez que Jamana n'a qu'à Tchaobe. Je vous ai dit pour nous, ça, qu'on a qu'à ce manière, je le nom, oui. Ok. Tu veux pas qu'on nous voit ensemble, mais dis-nous au moins si les nouvelles sont bonnes. Non, on a qu'à casser, arriver dans le sotocolo, on gère ça. Internet,
j'envoie des centaines de mails à des gens que je ne connais pas à travers le monde. Et je leur fais croire des choses qui n'existent pas. Bien sûr, pour leur soutirer de l'argent. Je vais même jusqu'à acheter des appareils électroménagers de luxe avec des cartes de crédit volées. Et tout ça, tu le fais avec ton ami Kamso? Mais je ne comprends pas quelque chose. Comment est-ce que tu réussis à soutirer les cartes de crédit volées? C'est très, très simple. Soit grâce à nos contacts qui sont en Europe, on arrive à avoir les numéros et les codes qu'ils soutiennent bien sûr à leurs clients dans les hôtels, dans les bars, dans les restaurants, dans les magasins et autres. Très impressionnant. Soit on va sur des sites pirates pour directement faire les achats en ligne de cartes de crédit et de vraies cartes de crédit, bien sûr à des prix très 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 bas. Voilà, je t'ai tout dit, tu sais tout. C'est comme ça que je gagne ma vie. Très impressionnant. Vraiment très très impressionnant. J'avoue que je suis épatée. La nouvelle, John. Ah, la nouvelle, ma vie. Ah, la nouvelle. Alors, je suis très content de toi. Hein? Ça, le gras. En si peu de temps, tu as réuni autant d'argent? Ça, le gras, mon vieux. On n'a plus rien à vous prouver, vous avez dit. Je suis le meilleur 419 de la Djal. Pour une fois, je peux dire que tu n'es pas seulement le meilleur et c'est l'heure d'Abidjan. Tu es le meilleur d'Afrique, John. Oui, c'est moi, grand John de chez John. À passer à côté de moi, tu as loupé ton doigt. Ouais. C'est ça qui est la vérité, mon. C'est plus que la vérité, c'est l'évangile. Ok, John. On s'est dit au plaisir. Ça roule. On se casse, Naja. Continuez comme ça, John. Tranquille, ma vieux, ça roule. Holographe.